C'est l'une des histoires les plus incroyables depuis la découverte du site. Pièce maîtresse de l'architecture inca, Machu Picchu fut révélé au monde en 1911 par un archéologue américain, Hiram Bingham. L'histoire rebondit un siècle plus tard grâce à David Crespi, un ingénieur français. En visite à Machu Picchu, il est intrigué par un accès obstrué par des pierres. Après sa rencontre avec David Crespi, l'explorateur français Thierry Jamin présente aux autorités péruviennes un projet de recherche qui est accepté quelques mois plus tard. En avril 2012, lors d'une campagne de résonance électromagnétique, Thierry Jamin et l'Institut Incari mettent en évidence la présence de mystérieuses cavités souterraines, dont certaines contiennent du matériel archéologique. Une tunnel, un tunnel. Ricardo a bien confirmé la présence d'une cavité très profonde. Dès lors, les ennuis commencent pour Thierry et son groupe. Les archéologues locaux font tout pour l'empêcher de poursuivre ses recherches. Diffamations, mensonges et menaces de mort vont se succéder. Machu Picchu, lieu symbolique et emblématique de la culture inca, vaut mieux que les manœuvres et les manipulations de ses fonctionnaires. Quel secret renferme cette mystérieuse entrée? Découvrez cette incroyable aventure archéologique au cœur du pays inca.